بسم الله الرحمن الرحيم. الدين النصيحة. Donc il dit les moumines ne sont pas de ces trois catégories, soit injuste envers lui-même, avec la foi, par les péchés, soit il se contente, celui qui se restreint juste aux obligations, mais il ne fait pas les choses obligatoires, mais il dit ce qui est interdit, ou soit il est parmi ceux qui devancent, qui vont de l'avant, et eux sont ceux qui font obligatoires, qui font mustahabbat, qui délaissent les makruhat, et bien aoulek, qui délaissent les haramat. Wa-hada, justement, là où je veux en venir, ce hadith est un rod à ce phénomène qu'on dirait qui est nouveau, qui est cette appellation de muslim modéré, musulman modéré. Moi, je suis modéré. Il veut dire par là qu'il n'en fait pas trop. Et les gens qui emploient cette formule, ils ne visent pas ce hadith-là. Il veut dire par là, je me contente que de faire ce qui est obligatoire et je ne fais pas ce qui est surrogatoire. On lui rentrera dedans. Ah, certains wajib. Mais il veut dire par là quoi? Je ne suis pas un extrémiste, selon leur version. Je ne suis pas un radical, comme ils veulent faire comprendre. C'est-à-dire, il va se raser la barbe. Il va s'habiller normal. Il va être mousbil. D'accord? Il va se mélanger, même au koufar. Il va être plus que courtois avec eux. Il rentre dans la mixité. Il regarde la télé normale. Il regarde des films normales. Il va au cinéma normal, il va à la piscine normal, il va peut-être normal, peut-être même qu'il fume, tu vois. Il dit, moi je suis modéré. C'est-à-dire quoi? Je ne suis pas trop dur comme certains. Et il vise quoi, par là quoi? Le salafi. On dit, toi, tu rentres à ce moment-là, là, tu rentres pas dans le hadith. Parce que tu n'as pas rendu haram ce qui est haram. À part si c'est que c'est haram, il le reconnaît. Là, c'est autre chose. Mais tu en as plein, ils disent, non, c'est pas interdit, vous êtes trop dur. On dit, ta barbe que tu rases. Elle est obligatoire ou l'interdit ou elle est mustahab. Il va sortir une choubouette qui va dire qu'il y a des hadiths qui sont venus, que Abu Huraira, il taillait les côtés de sa barbe, qu'Ibn Omar, il prenait de sa barbe, qu'il dépassait du poignet, qu'à Zakada, on dit taillé parmi les sahabas, parce que tu connaissais un sahabi qui taillait sa barbe. Même si des ulama ont permis le taillage, certains, ils sont unanimes que la rasée du kulliya s'interdit, par exemple. Je prends l'exemple de là-bas parce que c'est l'un des plus fréquents, tu vois, en France. Car c'est une marque qui est vraiment apparente sur le musulman. Avoir une grosse barbe, avoir une barbe, c'est une chose qui, souvent, pas, avec la mode qui est plus longue, même les pas ils ont leur barbe, mais à la base, la barbe, c'est un propre flagrant sur le musulman. Donc beaucoup, ils ont honte du regard des gens sur eux. Après, on va dire, je suis modéré. Non, tu n'es pas modéré. Tu rentres dans le fisc, comme ça. Et si tu rends permis de faire cette barbe-là, c'est très grave. C'est très grave. Les amis, c'est une chose que tu fais, ton irtilat, ta mixité avec les femmes, c'est permis. Il va sûrement te dire oui. Et ce qui est interdit, c'est que, la salaine, j'entretenais avec elle des relations interdites. On dit là. C'est pas seulement ça qu'un truc. Ça, c'est l'aboutissement. Mais la mixité, c'est une porte qui t'amène à cela. Et l'islam t'a fermé la porte. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde de rentrer des femmes. Et il a fait combien de paroles, il dit aux femmes de se pousser dans le tariq. Aujourd'hui, deux jours, on est tous mélangés. Ouais. Il s'est mis en colère et il a dit aux femmes de séparer les hommes. Et que le milieu de la rue est pour les hommes et que les côtés sont pour la femme. Plein d'ahadith par rapport à ça. Donc, le modéré, c'est le salaire. D'accord? Et c'est lui le haoulet dans ce hadith-là. Quand je dis le salafi, attention, je précise bien, je ne dis pas tout salafi, ou tout ce qui se dit salafi. Je parle de salafi, le modèle. Quand on dit salafi, celui qu'on s'imagine dans nos têtes. Pas celui qu'on est nous, forcément. Nous, on est des douarafas, on est des faibles. Ardal al-Nas, ou aksar, qui s'adan fil ibada, manou, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne seras pas plus modéré que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré sa modération, ses pieds se fondaient. Ils sont pliés, mais lorsque Aïcha lui a demandé pourquoi tu fais cela, alors que quand Rafallah, que tes péchés passés à venir sont déjà pardonnés, pourquoi tu fais cela? Il a dit, Allah, ne voudrais-je pas être un serviteur reconnaissant?
Ce que toi tu appelles ta chatte d'oud et dureté, l'Islam il appelle ça choukran. Remerciement vers Allah. Et malgré cela, il a dit Aliikum bima tutikum nil armel. Faites ce que vous pouvez supporter comme armel. Le jeûne de Daoud, qui est le préféré auprès d'Allah, un jour sur deux. Un jour je jeûne, un jour je jeûne pas. Là, on parle de Nawafil. Tu vas dire que Daoud c'était un tachadid. Si tu dis ça, c'est un temps dans l'NBA, tu peux m'écroire en disant cela. Un jour, sur deux et pas l'autre jour. Celui qui fait cela et qui a la force de le faire, tu vas dire que c'est un extrémiste? Non. Alors qu'en est-il de parler des choses obligatoires? Des choses qu'on a citées tout à l'heure. Ce sont des obligations en elles-mêmes. Ce n'est pas une chose qu'on en fait trop. C'est le même, on va dire, le minimum à faire. Ada wal aqal alazina kumbi. Comme dans le hadith. Ahlaltu le halal wa haramtu le haram. C'est le minimum que tu as à faire. Quand quelqu'un te voit et dit, ouais, vous en faites trop avec vos camises qui sont au-dessus des chevilles, c'est le minimum que j'ai à faire. La limite, c'est ma cheville, là. Pas plus bas. Ma barbe, elle est obligatoire. Ça veut dire, c'est même obligatoire. Et en plus, j'aime ma barbe, c'est une sunna. Et même si elle serait moustahab, j'aimerais la voir pour ressembler au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est possible. Donc, ce que tu me dis que j'en fais trop, tu dis c'est le minimum à faire. Donc, que, si moi je fais mon tachadid avec ma faiblesse et mes manquements et mes écarts, tu vas dire quoi du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons? De quoi tu veux les qualifier? Comment tu veux les qualifier? Si nous on est extrémistes, on est des durs, tu sais qui on est à côté d'eux? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ta action obligatoire, c'est de pieds se fonder. Comment tu vas le qualifier? Tu vas le qualifier comment de faire cela? Tu dis, moi, parce que je ne suis même pas rébellé. Mais j'ai ma marque. Parce que c'est pas obligatoire à la base. Ou il dit, moi, je suis juste dans la carte. C'est le minimum à faire de Kremlin. D'accord? Nathalem. Il va dire, moi, je fais que je ne jeûne jamais, peut-être des fois, trois fois par jeu, par mois. Et c'est le Sunna également. Daoul, c'est un jour sur deux. Par exemple. Donc, c'est qui le modéré? Tu dis, moi, je suis plus bas que... Je suis plus bas que, on va dire, le modèle que j'ai en tête, qui sont les Sahaba. Je suis plus bas que. Et eux, c'était des gens qui étaient auprès du Nabi Salem, qui prenaient son hadith, « Alikoum, matoulikoum, l'armel. » Il y a un bab dans « Rad al-Salihin ». Il a fait ça sur l'armel. Tu vois ?« Wa qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alakal mutanatti'oun » que ceux qui en font trop finissent par périr. « Wa qala mashad ahadun fi din il est gharabahu » aucun d'entre vous n'en a fait trop en religion sans que celle-ci n'ait pris le dessus sur lui. Donc il a mis en garde contre le relou. Comme le hadith Haoula Salafa, celui qui a dit « Ana asum adda wala uftir » l'autre il a dit « Moi je jeûne, je ne vais jamais rompre » l'autre il a dit « Ana akum al-layl wala anam » je fais kamil toutes les nuits, je ne dors pas. Et voici Salis Yakoul « Ana matazo » j'ai dit ça, je ne me marie pas avec les femmes. Quand le Nabi s'en a entendu cela, il les a convoqués. Il leur a dit « Antum takun adal kalam » on dit « Nam, c'est nous » il a dit « Ana asum wa uftir » moi je jeûne et je rompre. Il dit, Ana kum al-layl wa anam, je me lève et je dors. Ou Ana tazaw, je dis ça. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, il avait 9 femmes. Quand le man gharaba an sunnati falaysa minni. Celui qui se lève de ma sunna ne fait pas partie de moi. Même ta là. Donc ça, c'était en faire trop, c'est-à-dire en voulant en faire plus que se priver de choses qui sont halal. Ou de faire des choses plus que ce qui t'a été demandé. Tu ne pourras pas faire plus que le sahaba. Tu feras plus que tu vas finir par. Tomber. Les Khawarij, l'Abi Sallam, il les a qualifiés comme étant Kileb ibn Nar, et pourtant il a dit aux Sahaba, la tahkirunna salawatakum bi salawatihim, wa siyamakum bi siyamihim, wa qiraatikum bil Qur'an bi qiraatihim. Vous allez mépriser, tellement ils vont faire la salat, vous salata wa tahu, vous allez les voir comme étant insignifiantes par rapport à eux. Ce que vous lisez comme Qur'an tous les jours, Othman, le Qur'an, il le lisait en une nuit. Il a fait le Coran en une nuit. Une rakat même. Une rakat. Et pourtant, il a dit ça, Nabi Salam, à qui? Au Sahaba par rapport au Khawarij. Je peux vous dire comme Coran, c'est rien par rapport à eux. Votre jeûne par rapport à eux, c'est rien. Il y avait Abdullah ibn Amr qui, au début, lui jeûnait tout le temps, tous les jours. Nabi Salam lui a dit Inna li jasadika alika haqqa, wa li ahlika alika haqqa, wa li nafsika alika haqqa. Fa kul kulladhi haqqi haqqa. Il a dit ton corps, il a droit sur toi. Ta famille, elle a droit sur toi. Et ton nefs, il a droit sur toi. Pour dire, fais, mais fais ce qui va, c'est ce que tu pourras perdurer et continuer. Tu ne vas pas tenir par la suite. Et chacun, kulu wahid bi qadr imani. Donc, ces gens-là qui disent, je suis modéré, regarde bien comment ils sont, tu verras leur chacal. Tu dis, non, toi, tu es un rassi, tu n'es pas modéré. Tu es en dessous du seuil.
comme on dit, ton compte, il a découvert. T'es pas au minimum, t'es en dessous du minimum. T'es de Muharramat, des pieds à la tête quand on regarde. Et quand on voit ton mode de vie, Kazalik, on dit pas, tu fais pas de wajibat, tu fais tes salawat, sûrement. On le sait pour toi. Sinon, t'es même plus musulman, alcool sahih. Tu fais ton jeûne de Ramadan, sûrement. Peut-être même tu te lèves la nuit, tu fais des nawafil, on dit pas le contraire. Mais t'as des wajibat, tu les fais pas. Les wajibat, c'est sur toi, tu ne les fais pas. Et tu critiques ceux qui les font. Et tu critiques ceux qui y appellent. Ça, c'est pas de la modération. C'est du laxisme. Et ça peut être du fisc, de la perversion, si jamais tu désobéis à Allah Azzawajal ouvertement. Et pour toi, c'est normal. Il y a même des choses haram, si tu les rends halal, tu peux m'écroire. Tu peux m'écroire. Je me rappelle qu'il y avait, au début de l'islam, il y avait un petit jeune qui était avec moi à mon travail et il me disait, j'ai un oncle qui dit, parce qu'il voulait parler ce qui compte dans le cœur, il dit, j'ai un oncle qui dit qu'il se peut que quelqu'un ne fasse pas la salate, Allah le préfère à quelqu'un qui fait la salate. Je dis là. Je dis là. Ça, c'est pas possible. L'islam, il connaissait pas le petit, tu vois. Il parlait, c'est là, qui c'est que t'as dit, c'est me dit mon nom. Je suis ton nom qui sait pas. La salate, elle est obligatoire. Ce qu'il a fait pas, c'est un qu'il a fait. Comment elle va l'aimer? Il va pas l'aimer. Voilà. Dis, certaines personnes qui font beaucoup d'adoration sont peut-être moins aimées que d'autres qui en font moins. C'est possible, ça. Ah, mais les wajiba, c'est pas possible. Et qui en est-il des arcanes, des piliers? Quand on va prendre le hadith d'Abu Huraira, quand Allah Azzawajal dit le hadith sautif, « Ma taqarraba ilayya abdi bi shayin ahabba ilayhi ou ilayya, mais on s'arrête tout à l'aïe. » Que mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose plus évoquée de moi, qu'est-ce que je vais rendre obligatoire? Wa qala ta'ala, qu'il nabihi, qu'il in kuntum tuhibudallah fattabihuni, yabibkum Allah. Dites au dealer plutôt, si vous mettez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Donc comment tu viens, tu délaisses des choses obligatoires, des muharramat, et des arcanes même, et tu veux dire que tu es meilleur qu'un qui les fait? C'est pas possible. C'est pas possible. Je parlais du pilier par rapport à la salawat. Tu fais pas la salat, et tu es meilleur qui fait la salat. Ça c'est pas ça. Et bien sûr, on parle d'un mouwahid. Maintenant, c'est un mounafik, ça c'est autre chose. D'accord? On peut pas rentrer dans le zonon sur les gens. À la base de mon sanli, c'est pas une chose qui rend ton sanli site, comme vous le savez, on l'a expliqué. Non. Donc c'est un hadith que ce genre de personnes les méditent pour se mettre en question et dire, on leur dit, la modération c'est l'islam. C'est la religion de la modération. Le rouleau est trouvé chez qui? Chez les Yahoud, les Juifs. Et le Tamir, le délaxisme, on est trouvé chez qui? Chez les Nasara. L'islam, comme a dit Allah, وَجَعْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. On a fait de vous une communauté juste milieu. C'est l'islam. Maintenant en islam, t'as des gens qui exagèrent. En islam, t'as des gens qui en font pas assez. Mais la base de l'islam, c'est la modération. Voilà. Et la religion, elle est facile. Et celui qui représente plus l'islam que son vrai jour authentique, c'est la Dawa Salafia. Ne cherche pas à aller voir ailleurs. Tu vas peut-être trouver un autre qui aura des choses qu'un Salafi n'aura pas qui seront meilleures. Ou tu vas peut-être trouver une chose sur un Salafi qui seront moins bonnes qu'un autre. Mais à la base, cette Salafi en elle-même, cette Dawa, cet appel, ce prêche, cette aqida, ce menhaj, c'est lui le juste milieu. Tu ne pourras pas faire mieux que ça. Et pas moins que lui. Car le minimum, il rentre dans la salafia. Et le maximum, il rentre dedans également. Les deux rentrent dedans. Mais en dessous, tu tombes dans le haram. Et au-dessus, tu tombes dans le rouleau. Et le rouleau amenait même à faire du shirk. Et le rouleau fils dans les films, c'était le os dans le shirk. Exagéré chez les gens, dans les loges, et réalisé avec eux. Atawakor Abanou, Banu Adam, Fiyah Balati. Donc la modération, le musulman modéré, c'est ça la vie. Et si tu vois qu'il en fait trop, ben c'est qu'il en fait pas assez. D'accord. Et maintenant, il se peut en effet pouvoir c'est la vie qui en passe trop. Après, c'est lui. Mais il faut pas faire dire eux, ces gens-là, eux, n'en dit lui. Lui, il en fait trop, on est d'accord avec toi, et nous-mêmes, on le conseille qu'il en fasse moins. D'accord. Et lui, là, c'est la vie, là, c'est vraiment fait pas assez. On va le conseiller qu'il en fasse un peu plus. Mais c'est lui. Malada en elle-même, Salafia, c'est l'islam authentique. L'islam ou sunnah ou sunnah ou l'islam, comme a parlé l'imam al-Bahari. Ça va tous ensemble. Donc le minimum à faire, c'est awwalan, tawhid, taman, les arkan, les wajibat, et délaisser ce qui est haram. C'est le minimum. Maintenant, apprends c'est quoi les wajibat pour les faire. Et apprends c'est quoi le muharramat pour les délaisser. Et après, tu pourras dire, je suis modéré. Ah.